qu'est-ce que c'est, Safia? Toi, tu sais lire. Tu vas me lire un petit peu, là. Coucou, c'est moi. Et là, c'est le maman aussi. Je suis, mais c'est mieux. Donc là, on les voit de près. Maman, c'est là. Donc là, on approche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir. Maman, ça, c'est du guanaco. Attends, on va regarder. Guanaco, ouais. On va voir de plus près. Tu vois, il y en a là-bas, regarde. Je ne sais pas si on va pouvoir zoomer. Non, j'arrive pas. Donc on les voit au fond là-bas, tout en bas. Donc là, on les voit un peu plus, mais toujours de loin. En tout cas, je trouve ça super joli. Et bien propre, en tout cas. Ce sont des otaries. Regarde de plus près. Maman, va. Gaz approche. Maman va voir autre chose. Regarde. Hop. C'est bon. Ah. Maman. Oui. On y va? Oui, on y va. C'est ça qui était là, j'essayais de vous montrer, mais qu'on voyait pas trop. On voyait plus de loin. Donc c'était un marin. Donc là, ce sont des manchots. Maman, Safia, elle est où? Elle est en bas. Non, Safia, elle est là. Donc là, on les voit un peu, mais je sais pas si au niveau de. Thank you.
Donc là, on voit bien, ce sont des maras. Et tout à l'heure, on a vu des guanacos, ce qui était grand. On aurait dit des biches. Voilà. Voilà, donc Nandou de Darwin. Et je crois qu'on voit ça là. Voilà, il n'y en a pas en face de nous, mais ils s'en vont là-bas au loin. De l'autre côté. Donc on voit le manchot de Humboldt. Avec les portables. Voilà. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, des pumas ou cougars. Là, sur le côté. Tu veux le faire, Safia? Donc là, on avance. Et là, on voit les poudous du sud. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici le fameux poudou. J'ai regardé. Allez, on continue. Maman, t'as pas encore. On continue. Et on va manger. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je l'ai découverte. Charles Darwin. Autour du monde. Et c'est super. Quelques enfants qui jouent, qui découvrent des choses. Ah, c'est des fossiles. Ils font des fouilles. Regarde, Safia, regarde. T'as vu que... Regarde comment ça fait après. C'est quoi ça? Ah, c'est l'espace technique. Donc nous sommes toujours dans la zone pique-nique. Donc on a remarqué un petit potager. Donc je vais y faire un petit tour. Donc voici le potager. En tout cas, ça, je trouve que c'est assez éducatif. C'est très bien pour les enfants. Et pour nous les adultes aussi. Des fleurs comestibles. C'est un peu. Maman? Oui. Oui. Maman? Oui. Elle est où la feuille? Maman? Attends, Mehdi. Attends. Vous le constatez, il y a aussi des sièges là-bas. Donc là, nous rentrons dans le Sahel, le Soudan, on cap sur l'Afrique. On a vu mal, il est parti. Donc là, normalement, c'est l'emplacement du rhinocéros blanc. Donc, je l'ai entreaperçu, mais là, on ne le voit pas. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de boue. Maman, le lion, ça fait mal. Je ne sais pas si ça fait. Là, c'est le lion d'Afrique, on le voit tout en haut. En haut.
voit pas très bien avec la lumière. Même plus près, ouais, on peut voir. Lion d'Afrique. On le verra peut-être mieux dans une autre partie. Là, on le voit, là, derrière le grillage, toujours en haut. Ah ouais, il y a le lion. On va peut-être le voir d'une autre partie, peut-être encore mieux. Là, on le voit mieux. Regardez, il est là-bas. Regarde. Là, c'est le lion. Tout à l'heure, on avait vu les lions. Tu le vois? Oui, je le vois. Ah, c'est les lions. Ah, il... Maman, donc là, on voit une lionne. Le fameux lion. Regarde, il y a le lion. Là, on va entrer dans la clinique vétérinaire. C'est la salle d'animaux. C'est la salle où on soigne les animaux. Dans la taille de tes jambes. La taille de mes jambes. Un oryx al-gazel. Tu vois là-bas le grand rocher qu'on voit là-bas. Boris Algazel. Oui, on y va. On y va. On finit avec cette. Là, on va voir les rhinocéros blancs, celui qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Ils sont beaux. Mais là, on voit là. On arrive le grand calao terrestre. On va voir s'il n'y a pas. Donc là, il y a des zèbres. Ouais. Là, les rhinocéros sont là. À côté des zèbres, cet animal tout là-bas. On va aller voir ce que c'est, ça s'appelle un nadax. Voilà. Un nadax.